Et yo tout le monde, c'est Destructeur 7 et aujourd'hui on se retrouve sur Escape Plan, un jeu totalement en noir et blanc et gratuit pour le moment sur le PSN au mois de novembre, là où je le fais. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo et une nouvelle série. Alors je sais pas si vous voyez, avec bravoure. Alors on a deux défis si vous voulez et je me suis dit on va en faire un. Ça va être celui-là avec bravoure où on doit terminer le jeu en mourant moins de 20 fois avec l'île et l'arc. Donc en gros on va finir le jeu mais on est obligé de pas mourir 20 fois. La série s'arrêtera au moment où on sera mort 20 fois tout simplement. Je pense pas réussir tous les niveaux hein. Donc on est reparti. Alors Escape plan. Magnifique. Alors attendez, on va faire juste... Ok, donc re les gens, j'ai eu un petit souci, donc me revoilà dans le jeu. Donc j'ai terminé le jeu, hein, donc je connais un petit peu quand même les niveaux. Donc là, on doit réveiller... Voilà, on doit réveiller notre ami Lille, je crois. Allez. Voilà. Et donc on va le bouger. Alors c'est vraiment un jeu qui est assez intéressant, écoutez. Du point de vue de son originalité, hein, quand même, c'est un jeu assez original. Faut voir quand même au niveau des... Attendez, on va le rejouer. Donc c'est un jeu assez original, hein. Franchement, avec de bonnes musiques. Alors le jeu normalement pas du tout en couleur. Enfin, ce que je veux dire, c'est que normalement, on a un costume en noir et blanc. Et là, je vais rajouter le costume du renne parce que je le trouvais assez beau. Donc voilà. Franchement, niveau graphique, moi j'aime bien. Après ça plaira pas à tout le monde. Hein. Je pense que niveau graphique, il y a quand même des jeux meilleurs. Hein. Alors, mais je trouvais ça assez marrant de faire une série là-dessus. Donc c'est parti, hein, on va y aller. Ah, je vais perdre. Je vais déjà mourir une fois, les gars. Non. Mais... Ça, c'est les conneries du mec qui veut aller rapidement, qui a peur, quoi. Ça va me permettre aussi de parler rapidement sur mes séries qui devraient venir. C'est... Il y a une série qui devrait venir, c'est une série Pink Slip, où en gros ça sera entre 5 000 ou 50 000 crédits à gagner pour le début. Après peut-être que quelquefois je ferai des Pink Slip super grands si ma jambe tombe sur des gros joueurs dans des packs. Pourquoi pas. Ensuite il y a aussi la série de ma RD1 qui risque de revenir aussi. De venir tout simplement, mais sur FIFA 15 et non sur... Sur FIFA Ultimate Team, comme vous avez l'habitude de me voir. Ma série du Bronze Alors devrait venir après cet épisode-là. Le prochain épisode du Bronze Alors devrait venir après cet épisode-là. Donc voilà. Et sinon, bah c'est tout, hein. J'ai pas trop de choses à dire. Là, on va continuer dans un jeu super marrant. Franchement, moi j'adore ce jeu. Il est vraiment marrant. On est déjà mort une fois par contre, ça c'est chaud. Hein. Donc ma série du bronze alors, elle se passe bien pour le moment. J'espère que ça se passera toujours bien. Que j'aurai pas trop de mal à chercher un adversaire, etc. Parce que bah, sinon ça va être très très chaud. Et si vous avez une idée de série, pourquoi pas dites-le moi dans les commentaires. Moi je trouve que déjà, je vais avoir deux grosses séries à suivre. C'est d'abord la RD1. Et ensuite, après la RD1, la... Après la RD1, là, comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom là du bronze alors. Donc je pense que j'avais quand même assez de... Hop là, j'avais quand même assez de choses à faire quand même. Donc voilà, j'espère qu'après, imaginons, je pourrais peut-être m'acheter le Call of Duty et faire des vidéos dessus un petit peu. Des petites vidéos détente sur Call of ou sur, je sais pas, Assassin's Creed, etc. Enfin voilà, j'ai quand même beaucoup de choses que je peux faire. Donc autant en profiter. Donc j'ai la PS4, donc je vais vous laisser ça. Hein. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment un jeu assez spécial au point de vue de sa
de saboter parce que graphiquement il est vraiment pas beau, enfin franchement autant le dire, franchement c'est pas le plus beau jeu du monde et on peut faire carrément mieux. Et pourtant d'un autre côté il a son originalité, moi j'aime bien, que moi j'aime bien franchement, et des énigmes assez folles entre guillemets et assez faciles à la fois, et ce qui rend pas le jeu non plus trop difficile et pas assez marrant quoi. Donc voilà, ils ont rajouté plein de petits trucs qui peuvent être marrants, genre les costumes, etc. Donc voilà. Donc là, on va contrôler le monsieur. Oh non! Oh non! Regardez comment on peut mourir dans le jeu. Ça, c'est assez dégueulasse quand même. Ah oui, regardez. Ah. Ça va être très important après dans les... J'ai réussi à tuer le mouton. Attends, il faut pas que le mouton meure. Voilà. Oh non, j'étais dans le menu home, les gars. Oh non. C'est pas grave, on va continuer. Bon, on a déjà deux morts. C'est... Casse de conneries, hein. C'est dommage. Continue, voilà. Je suis assez dégoûté aussi par le nombre de vues que j'ai eu sur ma première vidéo de... Ma première vidéo de RD1, de Bronze alors. J'ai eu quoi? 7 vues, je crois. Et franchement je peux vous dire j'en ai passé du temps pour la faire cette série. Alors c'est vrai que ça m'a assez dégoûté, franchement je dis comme ça réellement. Par contre le pack opening vraiment les gars, 25 vues. 25 vues, je sais pas si vous voyez qu'est-ce que ça fait 25 vues. Pour un mec qui a jamais joué, enfin qui a jamais. Qui commence les vidéos, sa première vidéo fait 25 vues, j'ai cru que j'allais faire 20 vues à chaque fois. Et au final, j'en fais à peine 7 sur la dernière vidéo. Donc au final voilà, franchement j'ai quand même assez dégoûté. Donc là, on appelle monsieur. Voilà. En attendant, on fait venir le nôtre. Voilà. Donc on est mort deux fois bêtement. Hein. Malheureusement pour moi, je suis vraiment pas doué. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est... C'est vraiment sympa, si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment sympa, mais c'est pas une vidéo où il y aura énormément de montage, je pense même qu'il y aura presque pas du tout de montage. Parce que bon, c'est pas la première vidéo. Le truc qui va me servir, c'est juste une petite vidéo détente, The Escape Plan, voilà. De quoi nous faire passer un petit peu le temps. Donc voilà, les joueurs, ils sont contents. Donc comme vous voyez, c'est pas 20 fois, une fois l'autre, une fois là, une fois l'autre. Hein. C'est pas 20 morts chacun, c'est genre tu meurs avec un, l'autre meurt aussi. Hein. Donc ce qui fait qu'on va descendre très très rapidement au terme des... Oh putain merde. On va mourir assez rapidement, surtout que je suis pas très très doué en termes de jeu comme ça. J'ai vraiment du mal et donc autant vous dire que... On va... Ouf. On va en chier tout simplement les gars. Quoi? Waouh, le mec le moins doué au monde. Non franchement voilà, on va en chier mais pourquoi pas, écoutez, ça peut être marrant comme série. Hein. Alors je sais pas combien ça fait encore de temps que je fais la vidéo, écoutez. Ah oui, petite nouveauté comme vous pouvez le voir. Le pad circulaire. Alors le pad circulaire c'est vraiment un super bon truc les gars. Ils l'ont rajouté. Comme vous pouvez le voir, ils l'ont rajouté dans le jeu. Où en gros le pad vous sert. Enfin un jeu où le pad sert. Je vais vous dire, il y a eu beaucoup de jeux où je m'attendais à avoir le pad circulaire. D'ailleurs, est-ce que sur FIFA je pourrais pas le bouger? Ça je sais pas. Moi ça m'arrangerait énormément. Hein. Passer au-dessus. Bon. On va faire ce... On va terminer cette vidéo sur ça. Alors ça va être une vidéo très très rapide. Mais genre une vidéo annonce. Hein, c'est vraiment pour vous annoncer un petit peu mes envies. Qu'est-ce que j'ai envie de faire. Non meurs pas. Meurs pas. Ouf. Donc là encore une fois, le pad les gars. Donc comme vous voyez, ouf, moi je suis content. Hein, franchement. Je me dis au moins tu t'es pas acheté la PS4. Entre guillemets pour rien, parce que bon déjà je peux utiliser le bouton cher comme vous pouvez voir, ça m'aide beaucoup. Oh le petit dard, j'aime bien. Et donc on va s'arrêter là, je vais juste terminer en parlant, voilà. Donc je peux utiliser le bouton cher, etc. Mais en plus de ça, comme vous pouvez voir, t'as le pad circulaire, t'as des jeux comme ça
où le pad il n'y était pas avant, et donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir là maintenant. Enfin soit, voilà, franchement je trouve que c'est un bon jeu, en plus gratuitement vous pouvez l'avoir sur ce mois de novembre 2014, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. En tout cas c'était Destructeur 7 pour une petite vidéo assez rapide pour aussi vous dire un petit peu les séries. On va voir où est-ce qu'on s'est arrêté quand même. On s'est arrêté une seule issue et deux morts. Donc si vous voulez qu'on continue, écoutez, on continuera mais avec du montage cette fois-ci. Là je fais une vidéo sans montage. Si vous voulez imaginons que j'enlève la voix, que je mets de la musique à côté, que j'accélère le rythme de la vidéo, imaginons à x1,5, à x2, etc. C'est vous qui choisissez, écoutez, là c'est un petit peu une petite série, enfin une petite vidéo détente pour m'amuser tout simplement, et puis voilà. Donc c'était Destructeur 7, allez, ciao tout le monde.